À Saint-Denis, la solidarité est une réalité. 57, c'est le nombre d'ordinateurs offerts à des jeunes Dionysiens issus de familles en situation de vulnérabilité. Lutter contre la fracture numérique, voilà l'objectif de la ville. Donc là, on est au bas de la rivière, donc à l'école Redley, pour distribuer des ordinateurs qui ont été reconditionnés, donc qui ont eu une seconde vie grâce à la DRIU et une convention avec le CCS et la ville de Saint-Denis, pour permettre à des familles qui ont été identifiées donc par l'académie, par le rectorat, qui étaient en fracture numérique, on va dire, qui n'avaient pas l'outil informatique à la maison, pour pouvoir aussi s'adapter et pouvoir suivre un peu ce suivi pédagogique. C'est super bien parce que moi, j'ai passé 20 ans en France avec mes enfants. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir cette action. Nos enfants peuvent en profiter pour leurs devoirs avec ce moment difficile avec le COVID-19. Donc, c'est super bien. Pour les parents, c'est un vrai soulagement parce qu'ils se disent « Enfin, nos enfants, eh ben, ils vont être comme tous les autres enfants. Ils pourront avoir leurs devoirs sur l'ordinateur et on peut espérer qu'ils rattrapent un peu leur retard. » La deuxième chose pour nous, c'est que ça devient un outil aussi familial et que les parents pourront aussi utiliser l'ordinateur. Et c'est aussi l'accès aux droits et c'est la lutte contre la pauvreté. Et pour aller encore plus loin, Saint-Denis ne se limite pas à une simple distribution. S'y régler les urgences est essentiel. Accompagner au quotidien l'est également. D'un côté, on distribue des ordinateurs, mais la fracture numérique aussi, elle peut être aussi dans l'usage du numérique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la ville de Saint-Denis, l'État et les bailleurs sociaux, dans nos espaces de médiation numérique au bas de la rivière, notamment, et au Camélia, on propose un programme d'accompagnement à l'usage du numérique aux familles. Permettre à tout à chacun d'avoir sa chance et d'écrire sa propre histoire est un objectif primordial pour Saint-Denis. Cette action sociale sera renouvelée cette année. En tout, près de 300 ordinateurs seront distribués en 2022.